Wesh. Genre, y a pas un truc que vous avez remarqué là. Genre, y a pas un truc qui change. T'sais quoi, vas-y, je te laisse réfléchir. T'as trouvé c'est bon? Oui, on est samedi. On est samedi, pourquoi? Bah, je vais vous l'expliquer à la fin de la vidéo. Voilà. Aujourd'hui, c'est le All-Star Weekend. On y est enfin. Voilà, le All-Star Weekend. Ce week-end, ça se déroule à Utah, je crois. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur NBA 2K. Oklahoma City, non, voilà. On est directement All-Star Game. Par contre, je sais pas, parce que je sais pas si je suis capitaine ou pas de, pour ce Star Game là. Parce que j'ai pas pu encore faire. Comment ça s'appelle le choix des équipes. Normalement, attends, je vais voir vite fait. Normalement, c'est écrit quelque part, non? Cette équipe, vite truqué, joueur, progression. Quoi. Y'a pas le vote des All-Star? Non, mais y'a un onglet vote All-Star ou un truc comme ça. Quartier, joueur. Bon bref, c'est pas grave, on va voir si on va voter ou pas. Mais en tout cas, on se retrouve directement pour le Rising Star Challenge. Ok, on y est, le Rising Star Challenge. Attendez vite fait. Parfait. Donc là c'est le format match classique hein. Et je suis sur le banc. Ouais, déjà la non reconnaissance. Je crois que je suis le deuxième meilleur joueur de la ligue derrière Luka Doncic. Et ça met sur le banc. N'importe quoi, on va leur montrer. Donne la balle. Je vais mettre un écran. Non, gars, ça va pas se passer comme ça. Et en plus, je suis même pas allé à la salle. Oh là là. C'est-à-dire que je suis ralenti de ouf. C'est pas grave. En tout cas, dites-moi dans les commentaires là, ce que vous pensez des line-up là. Pour tout ce qui est Rising Star Challenge, concours de 3 points, concours de dunk. Moi, j'ai vu. En vrai de vrai, je pense que je vais dormir. Hein. Je vais pas vous. Je la vérité, je pense que je vais dormir, je vais pas regarder. Parce que ça me hype pas beaucoup. Après, on va voir, ils peuvent me faire mentir. En tout cas, dites-nous dans les commentaires vos pronostics pour qui va gagner. En vrai, déjà, juste pour le concours de dunk, ça peut jouer soit entre McLung, soit entre Sims. Entre McLung ou entre Sims, c'est même pas français ce que je dis. Soit McLung, soit Sims. Sinon, pourquoi à 3 points? Ah, je verrais bien Damien Lillard parce qu'en ce moment il est chaud. Damien Lillard il est chaud en ce moment. Après, il y avait qui Rising Star? Et elle est Antetokounmpo's là. Ils peuvent faire un truc en vrai. Parce que j'ai regardé l'année dernière, genre la LED vite fait c'était serré. Mais en vrai, ils peuvent faire quelque chose. Ah oui, aussi, j'allais l'oublier. Pour l'MVP du match, je sais même plus qui a. Qui a été sélectionné pour le match All-Star Game, là, le gros. Je sais qu'il y a des blessés. Genre Kevin Durant il est blessé encore. Steph Curry il est blessé. Mais dites-moi aussi, pour qui va être MVP aussi dans ce match. D'ailleurs moi, de mon côté, sur ce jeu-là, j'essaie d'être MVP sur le Rising Star et le All-Star Game. Vu comment ça commence là, ça risque d'être compliqué, mais en vrai, tu sais quoi? On va se ressaisir tranquille, on va commencer à jouer. Après, je suis pas allé à la salle, hein. Là ça joue. Je perds de la vitesse, je perds de l'accélération, je perds de la détente. Ça joue la salle, ça joue. Tiens. Merci. En plus, on est en train de perdre là. Non, c'est bon, on est repassé devant. En vrai, je me dis comment je peux être dans la même équipe que Chapo Wentz là, vraiment. Et comment je suis pas titulaire dans ce match, c'est ça aussi. Et comment j'ai pas marqué aussi. Il se passe trop de choses. Tiens. Prends la wesh. Bon, là faut qu'on se réveille. Je suis encore sur le banc, wesh, c'est terrible. En vrai, ce match là, c'est plus un match de chauffe. Hein. Je chauffe tranquille avant de commencer le vrai match au Star Game. Ce match là, on s'en fiche un peu.
Mais comment j'ai raté ça? Non, là, il faut que quelqu'un m'explique, surtout qu'elle a comment c'est possible, alors que j'ai grill littéralement, je suis dans le vert. Et là, il y a... Oh là là. Aïe, 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 Touquet. Putain, j'ai fait une passe de H.A.P. Owens. Oh, c'est terrible ce qui se passe. Oh là 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 là. Tiens, donne. Merci. Je joue, tac, je suis parti. Faute. Merci, enfin. Putain. Ouais, je pourrais... Combien de tirs avant que je rentre? Ah, c'est... Je sais même plus parler français. Hey, je suis fatigué, je suis malade. Je sais même plus parler français. Mais c'est bon, là, au moins on commence à marquer, là, tranquillement. On a bientôt le takeover en plus. En plus, on doit faire du spectacle là, Rising Star Challenge. C'est le moment où c'est pas un match sérieux. C'est bon, on va faire que d'alley-oop. On va faire que d'alley-oop aujourd'hui. Ouah, Cam Thomas. Lui, il est bon en ce moment, hein, Cam Thomas. Enfin, Brooklyn là, c'est lui qui a pris les choses en main. Tiens, envoie. Merci. J'ai dit, on va commencer l'alley-oop aujourd'hui. On va faire que ça, en plus, j'ai mon takeover. Ok, j'y vais tout seul, on a fou. Tiens, toi ça dégage. Merci. Il joue. Quoi? Oh là là! Non, c'est des menteurs. Oh, c'est des menteurs. Viens là, toi. Voilà, dégage d'ici. Il est fou lui ou quoi? Si je marque pas, tu ne marques pas. Zéro. Ok, mi-temps, 7 points, 5 rebonds. Égalité en plus. C'est quoi les stats du coup? J'ai même pas le temps de voir. 7 points, 5 rebonds, 2 passes D. Moins 2. Moins 2 plus minus. Ok, très bien. J'avoue, j'ai pas beaucoup scoré au premier quart-temps. J'ai raté beaucoup de tirs. Mais vas-y, 309, on va augmenter ça. Juste voir les stats vite fait. 12, 13 points. Ok. Autant dire, ils ne vont pas toucher la balle. Ils vont plus toucher la balle, ça je vous le dis. Hop là. C'est parti. Merci. On va posteriser des gens aujourd'hui. Attends, on va faire un truc. Hop là. Et aujourd'hui c'est la fête. Comme c'est la fête, on va faire que des loops. Tu vois, première mi-temps, j'étais à 33% de tir. Là j'ai augmenté. On l'a, ok. Allez, tu l'as. Mon gars, Jalen Green, tu l'as. Jalen Green, il est bon en ce moment. J'aime bien. Va là-bas! Zéro. T'as même pas le temps de tirer. C'est zéro, t'es fou quoi. Oh, coach. J'allais avoir mon takeover, il me semble. C'est une blague. C'est une blague. Cré, là, je suis sorti comme ça, c'est la fin du match. C'est une blague. Mais c'est quel manque de respect, ça? C'est quel manque de respect? Début du troisième carton, je sors et je ne rentre plus du match. Wesh. Wesh. Genre là, c'est fini là. Je suis même pas le joueur du match du coup. Et tu sais quoi, de toute façon, c'est pas grave. Ce match là, c'est juste le match de chauffe. Le vrai match, c'est le match de All-Star Game. Du coup, là, on va. Normalement, concours de 3 points, je joue pas. Ouais, ça c'est normal. Concours de dunk. Jouer, j'ai été sélectionné au concours de dunk. Ok, on se retrouve directement au concours de dunk. Ok.
On se retrouve du coup au concours de dunk. Donc quels sont les participants? Je connais pas les participants. Il le montre pas? Ok, on a qui? On a Zion, on a Shep et on a Monsieur Edwards, Anthony Edwards. Ça va être tendu. Ça va être très tendu. En tout cas, le maillot de Phoenix là, il est lourd. Hein. Il est très lourd ce maillot. Bon, passe directement au premier dunk. C'est Zion qui commence. Ok, très bien. 23 points, 8 rebonds, 3 passes D. Ok, Zion Williamson qui s'élance. Pour 1-3-6 Rider. Ok, très bien. Très bien. Il met la barre très très haute. Mais dommage que on n'a pas la capacité de s'entraîner. Tu vois, même sur le précédent truc, c'était comme ça, on pouvait pas s'entraîner. Là, je sais même pas si la mécanique de dunk elle a changé. En tout cas, il est propre, hein, le dunk de Zion. La note, c'est combien? 39. Oh, les fous. Oh, les. Oh, les fous. Shep Owens. Ok, déjà, il a ramené quelqu'un. Rider au-dessus de quelqu'un, hein, c'est propre. Mais c'est nul parce que c'est Shep Owens, vous savez très bien. On va même pas voir le ralenti. Il avait combien? 43. Oh, les menteurs. J'ai préféré le dunk de Zion. C'est qui? Ok, c'est moi. Comment on fait? On va partir sur un 3-6 en vrai, je pense. 3-6. Spin deck et le coude dans le cercle. Et direct sous la jambe. Non, ça m'a l'air bien. Vas-y, on va faire ça. C'est quoi? C'est comme avant avec le timing. Oula, le timing il est serré. Hein. Oh les menteurs! J'ai qu'un essai? Oh c'est un fiasco! Oh là là! Oh c'est un fiasco! Ok. Oh c'est terrible! 41 pour ça? Moi j'ai 0 du coup c'est ça? Bah oui! Logique! Aïe 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 aïe. De toute façon, les concours de Nox ça a jamais été fou sur ce jeu. 3-6 assisté, ok très bien. On va voir le ralenti. Mais dans tous les cas, je suis éliminé parce qu'ils auront le score des deux Nox et moi j'en ai qu'un seul. C'est-à-dire c'est cuit. Il est combien? 40. Shep. C'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. C'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. C'est nul, même pas de ralenti, c'est nul. J'ai dit pas un ralenti, c'est nul, c'est Shep, c'est nul. 43, oui, allez. Bon, on va tenter le tout pour le tout. On va faire quoi? Vas-y, on. 360 en longueur. Dunk à la cuir, finesse. Ça m'a l'air bien. Il va être hyper compliqué. Regardez, wesh! Ok, le pub. Miskin. J'ai dit de faire du bruit au public, y'a personne qui a fait du bruit. Ok, je l'ai mis. Mais j'ai mis, mais j'ai même pas vu. J'étais concentré sur le timing. Du coup, il a fait quoi? Tu pouvais te dépêcher un peu. Ok, donc ça, j'ai vu, j'ai balancé. 3-6, sous les deux. Les mecs, ça pour moi c'est un 50. Hein. Ça pour moi c'est un 50. 42, pff, n'importe quoi. N'importe quoi. Et 3-6 sous les deux jambes. Non, ça, pour moi ça c'est un 50. Ok, moulin avant à une main. De loin en plus. Ok. 43, bon je suis éliminé. Logiquement. Il y a 3 dunks. Ok. Chirider, tranquille. Il est propre.
Mais dans tous les cas, je suis éliminé parce que j'ai un dunk de retard. 48 ça? Alors que moi j'ai eu 42? Eh vas-y, ça va, les jurys c'est qui? C'est Dwayne Wade, c'est Karl Malone. Tous les pires juges. C'est nul. 3-6 pump, ça on le fait tous les joueurs. C'est nul. 43. J'ai eu moins. Deck à deux mains, inversé, mal avant longueur, tout ça. Aide un coéquipier, ouais. Ouais, on va faire ça. Au-dessus de la planche, je prends un 3-6. Ça m'a l'air bien. Ok. Comment ça, j'ai raté? Eh, je vais replay maintenant. Le bouton carré, j'ai appuyé. On peut l'entendre, je suis sûr qu'on peut l'entendre. J'ai appuyé au moment où il y avait le trait là. Mais c'est une dinguerie. J'ai même pas regardé son dunk skin. C'est bon, je suis éliminé. Terminé. Et c'est Shep Owens qui a gagné. Ok, très bien. Bon. Comme d'habitude, le concours des dunks. C'est nul sur Touquet. Genre Touquet veut pas évoluer hein, sur ce. Oh, le micro. Touquet veut pas évoluer hein, sur ce niveau-là. Toujours le même truc, toujours on se plaint parce que c'est. C'est pas fou hein, le concours des dunks. C'est la même chose, les scores ils sont aléatoires. Mais bon, de toute façon, nous, ce qui importe, c'est le match, celui-là. Le All-Star Game, le vrai. On se retrouve dès que ça commence. Les gars. Wow, il est ignoble le... C'est quoi ça? Oh, encore le jaune ça va, mais le bleu il est ignoble. Oh, il est vilain le maillot. Et je suis même pas starter. Très bien. Vous voyez comment on me respecte pas? Je suis le deuxième leader de la ligue, je crois. Et ça me respecte pas. En plus, je suis du côté bleu. Vas-y, le maillot il est grave moche. Je suis l'équipe qui? L'équipe de Luka Doncic. En plus, je comprends pas. Toutes les années, c'est comme ça. Les couleurs des équipes, elles sont inversées. Luka Doncic, c'est l'équipe bleue. Mais sur le truc du score, c'est écrit en rouge. Je comprends pas. Bref, c'est moins de faire ses preuves avec ses maillots hyper moches. Déjà, pourquoi on n'a pas de. Pourquoi le short, il n'est pas de la même couleur? Trop de questions. Pourquoi mon joueur vient de ralentir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le jeu? Non, en fait. On dirait que c'est les shorts de l'année dernière avec un maillot, genre disons un maillot d'entraînement, genre. Je crois que c'est les mêmes shorts que le Star Game de l'année dernière. Mais du coup, c'est vilain. L'ensemble est vilain de fou. Hop là, Zion, ça dégage. Regarde, je m'en remets toujours pas de ce maillot. Hein. Hey, il est vraiment vilain. J'ai pas vu les vrais maillots de cette année, je les ai pas vus. Faut que je regarde après. Mais regarde, c'est. Regarde! Et c'est. Pff, y a même pas de mots pour décrire ce que c'est. C'est moche, c'est tout. C'est juste moche. Le maillot est moche. Ça va pas ensemble. Rien qui va. Ok, nous on veut du spectacle. Tiens. Zion ne peut pas me tenir. Est-ce que c'est clair pour vous? Zion ne peut pas me tenir. Après, j'ai demandé l'isolation, je vais le fumer. Moi par contre je peux te. Oh! Oh, j'avais contré Zach! T'es nul. Eh oui, j'ai dit. Je suis vraiment un gamin. T'es nul. Hop là. Non, il a mis. Oh non, il a raté. T'es nul, t'es mauvais. J'ai pas le rebond. Ok. Joue. On va demander. Wesh. Pourquoi je peux pas demander isolation? C'est pas grave. On va le taffer comme ça. Ok, on l'a pas taffé. Très bien. Merci. Je pouvais pas demander l'isolation. Je crois qu'on peut le faire qu'avec des meneurs, je suis pas sûr.
Parce que j'ai un autre joueur, un meneur. D'ailleurs, il va bientôt sortir du four, il est bientôt prêt. Je peux faire des isolations avec lui. Et là, je peux pas. C'est bizarre. Bon, on va réessayer après, mais... Qui fait faute? Oh, que je l'avais contré. Il reste 5 secondes, hein. 5 secondes, j'ai le temps d'aller te voir. Ok, joue. Cours. Joue. Merci. Allez, bâtard. Ok, premier quart-temps, déjà on s'en sort mieux. 8 points de rebond en fin de premier quart-temps. Et l'ensemble est toujours vilain, ça je j'arrêterai pas de le dire. L'ensemble il est vilain. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Tiens, viens là. C'est bon, je suis parti. Oh. Lebron, à ton âge. À ton âge, tu joues comme ça au Star Game. Vraiment. Oh, les lancers francs. Si vous me menez sur les lancers francs, c'est fini. Donc moi, je vous dis, si vous me voyez en rec, et que c'est dans le money time, il y a un point d'écart, vous m'emmenez au lancers francs, vous avez gagné. C'est bon ou pas? Si vous m'emmenez au moins au lancers francs, vous avez gagné. Je ne mettrai pas de lancers francs. Ok, envoie. Il a pas envoyé. Il m'a contré. Ballon perdu. Oh là là. Ballon perdu. Ce jeu il me fatigue. Je suis fatigué de ce jeu. vas-y. En plus je sors. Allez, ça y est. Mi-temps du coup. Bah ouais. Parce qu'on me respecte pas. Voilà. On me respecte pas. Moins 2 plus... Mais comment ça se fait que j'ai moins 2 plus minus alors qu'on gagne? Imaginez, je rentre pas. Donc... j'ai même plus envie de jouer. J'ai même plus envie de jouer. Regardez le temps, regardez le score. J'ai même plus envie de jouer. Moi, je me fais pas respecter dans le jeu. Hein. C'est quoi ça? Donc là j'ai joué genre 10 minutes pour dire vas-y, laissez-le s'amuser. Et là c'est fini là. En plus on perd. Regarde ce qu'ils font. J'ai envie de pleurer. le manque de respect. Allez vas-y frère, c'est bon. J'ai joué 2 minutes. En vrai, j'ai joué combien de temps? 5 minutes. J'ai joué 5 minutes. N'importe quoi. C'est grave de pas se respecter comme ça. Après, je vais vous montrer hein, mes stats. En leader de stats, je suis à quelle place pour me manquer de respect comme ça? Moi je vous dis, à partir de maintenant, je vais aller gagner cette bague. Il n'y a pas de pitié. Pas de pitié, je vais aller gagner cette bague. Mais oh, mais laissez-moi les marquer, c'est quoi? Oh là là. Déjà, vous avez gagné. Mais je suis à combien en lance-franc? 0 sur 7. Ok. Elle a qui? Bah oui. C'est désolant. Vraiment, c'est désolant. Mais après, on commence à être habitué, hein, c'est Touquet. J'ai l'impression que Touquet fait plus d'efforts. Mais bon. Genre là, ça y est, c'est fini là. J'ai passé mon Star Weekend, j'ai attendu pour faire ça là. Et j'ai gagné 400 VC, miskin. J'ai gagné 400 VC. Wow. Non, regardez. Non, vraiment, qu'on aille voir. Regardez, leader de la ligue. Je suis deuxième. Deuxième leader de la ligue.
Juste derrière Luka Doncic, parce que lui, il a 41 points, tout ça. Je suis deuxième. 33,5 points par match. 3,4. J'arrive plus à parler, moi je suis choqué. 3,4 rebonds offensifs. 13,6 rebonds défensifs par match. Ça fait 17 rebonds par match. 7,2 passes par match. Quasiment en triple double de moyenne. Et on me respecte pas comme ça. 2,2 interceptions par match. 4,9 contre par match. Wesh. Non, cette stat là est bug, je crois. C'est pas les vrais. En vrai, ça va. Hein. Luka Doncic, il a 3,8. Tir réussi par match, 15,4. Tir tenté. Non, ça aussi, ça bug, je crois. 59,1. Bref. Regardez ces stats là. Deuxième leader de la ligue. Vous voyez, la morale est révoltée carrément. C'est normal. Regardez comment on respecte pas. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Donc là, regarde. Là, c'est fini là. Là, je passe directement en match de saison régulière là, comme ça. On est premier. Regardez, 54-6. On est premier. Avec, vas-y, avec juste 6 défaites, on se fait pas respecter comme ça. Non, c'est trop grave, c'est très très grave, c'est très très grave. Mais en tout cas, les mecs, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Comme je l'ai dit en intro, oui, on est samedi. Pourquoi on est samedi? Parce que comme c'est le Star Weekend, et ben, c'est un peu la fête du basket, on va dire. Du coup, il y aura une vidéo aujourd'hui samedi, celle que vous venez de voir. Mais la vidéo de dimanche ne va pas sauter. Et oui, il y aura une vidéo aujourd'hui, une vidéo demain. Et la vidéo demain, comment dire? Est-ce qu'il y a un trailer? Si j'ai le temps, je vais mettre un trailer. Si j'ai pas le temps, c'est l'épisode 2 d'une vidéo qu'on a fait l'année dernière, il y a un an. L'épisode 2 du All-Star Game. Et oui. On a tourné, on a fait l'épisode de Joestar qui va sortir demain. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, commenter, voilà. Et je vous attends demain pour la sortie de la vidéo. Qu'est-ce que je dois traduire? J'ai rien d'autre à dire. Du coup, non pas ciao, mais à demain.